Alors là, ce burrito poulet chorizo, tu vas l'adorer. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, bien évidemment, tu auras besoin de prendre un filet de poulet que tu vas couper en petits morceaux. Tu mets ça de côté et pour la suite, tu auras besoin de prendre un chorizo. Alors tu vas le couper en lamelles et ensuite tu vas recouper une nouvelle fois ces lamelles en deux. Pour l'étape suivante, tu vas prendre tes morceaux de chorizo et tu vas les mettre dans ta poêle. Tu laisses chauffer ça tranquillement à feu doux. D'ailleurs, pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas y masser un oignon. Normalement, après seulement quelques minutes de cuisson, le chorizo a rejeté tout son gras. Du coup, ça va nous permettre d'ajouter nos oignons sans ajouter de matière grasse. On va également incorporer nos morceaux de poulet qu'on a coupés précédemment. Tu fais revenir ça pendant quelques petites minutes et une fois que ton poulet est bien cuit comme dans la vidéo, c'est parfait. Tu vas pouvoir ajouter le riz de ton choix. Tu peux très bien mettre du riz blanc ou du riz à la sauce tomate, ça fonctionnera très bien. On n'oublie pas de bien saler et poivrer tout ça. Maintenant que notre préparation avec le riz est prêt, on va pouvoir prendre une tortilla. Dessus, tu vas pouvoir étaler la sauce de ton choix. Ensuite, ajoute deux belles tranches de mozzarella avec ton riz par-dessus. Tu termines une nouvelle fois avec deux tranches de mozzarella et maintenant on passe au pliage. En gros, tu vas rabattre de côté et tu vas essayer de rouler tout ça pour former un boudin. Maintenant, on va le faire toaster 2-3 minutes à la poêle de chaque côté. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster.